Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, l'Inde. Sud-America, como estás? Bonjour, Fally. Bonjour, madame. Félicitations pour l'album Tokusdo et MTV Best Mama nomination. Congratulations. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Je parle français un peu, so that's where my French reaches. your French sounds good, sounds nice. Je I parle try. Français un peu. Your French is poor like my English, so cool. Okay, so this is not your first MTV based nomination. Yeah. Did you ever imagine that you'd be so well respected? You've won many awards. Did you ever imagine when you started at the age of 17 that you'd be here? Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas que j'allais avoir cette carrière. J'ai juste travaillé, j'ai travaillé dur. J'ai décidé de rester focus dans mon boulot et de bien travailler, de travailler dur. Mais écoute, aujourd'hui, je pense que c'est le fruit de mon travail. 2020 was a very productive year for you, Fally. You dropped your album Tokos 2. How did you manage to get things done with COVID-19? Well, it was very, very complicated for everybody, but you know, come, my English is good now, I'm speaking French. So, ouais, c'est vrai que 2020 était compliqué pour travailler, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir un studio, donc du coup, comme j'ai mon studio, et, du coup, j'étais un peu en mode, je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup bossé. Et pendant la période de confinement comme j'étais à la maison, comme j'avais une guitare, j'ai beaucoup écrit aussi. Et puis, quand ils nous ont déconfinés, j'ai en profité pour enregistrer des titres. Voilà. Okay. Your music has appeal across borders. Why do you think non-French speaking Africans resonate with your sound? Parce que c'est sexy. Wow, because it's sexy. Yes. Fally, damn. Okay. It's sexy and chic. Tokus. No. Yes. Non, mais sérieusement, je pense que parce que ça, d'abord, parce que la musique n'a pas de langage, n'a pas de langue, et la musique n'a pas de frontières, et surtout la musique de Fally est universelle. Ça veut dire que moi, je parle en tu vois, je chante beaucoup pour la femme et les femmes aiment que les femmes savent que je suis quelqu'un de bien, de romantique et elles savent que voilà, je suis toujours là en mode, tu vois, je lève et je respecte la gente féminine et je reste je suis un avocat défenseur de la femme, tu vois, je suis limite l'esclave de la femme. Donc, et puis tout le monde, ça parle beaucoup plus aux femmes pour ça. Et les hommes trouvent en moi de l'espoir. Parce que moi, je viens de loin, moi, je viens d'en bas. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est juste parce que, voilà, j'ai travaillé dur. Et j'ai une histoire à raconter. Et je pense que c'est du vrai, quoi. Et puis, ben, je chante un peu en lingala franc. C'est-à-dire lingala français anglais. Voilà. You've created your own sound with Tokus. It has elements of rumba, soukous, and other popular Congolese genres. Did you expect Tokus to be so well received, and especially after you did the first Tokus as your first album, and now Tokus Do as your part two of that? Mm. Oui. Je pense que moi, je viens du Congo, je connais la rumba est en moi. La musique, comme je dis, la soukous, nous, avec la sebène, j'essaie de les faire. Je suis l'un des pionniers d'ailleurs. Mais Tokos, c'est ma façon en moi de réfléchir, de penser, de vivre à la musique.
C'est-à-dire que j'ai mélangé la musique congolaise des bases et la musique urbaine internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux me permettre de prendre une chanson kenyane et je la transforme, je prends les accords, et ça reste la musique africaine pour moi. Donc, c'est ça en fait, c'est ma façon de voir les choses. Et mon album, le Tokos 1, était très très bien. C'est l'album qui a démontré, qui a ouvert, qui a élargi mon public aussi, ici en France. Et Tokos 2, c'est une suite logique en fait. C'est la continuité de mon idée. Et je pense que Tokos 2 est très, très, mais très, 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 très lourd. C'est un album très, très riche en mélodie, en écriture et musicalement parlant. Je pense que c'est le meilleur album de l'année, de ces 5 dernières années quand même. Voilà. Okay. In the song Message, you refer to older musicians in the images that are running on the screen on the TV. I don't know if he'll remember that, but maybe he can tell us which artists from the 80s and the 90s that have had the biggest impact for him in his career, aside from Koffi Olomide. C'est vrai que moi j'ai été inspiré par le groupe, c'est le groupe qui m'a donné envie de devenir artiste. C'est un ancien groupe qui s'est même disloqué, qui s'appelle Wenge Musica, BCBG machin. Ils sont plus ensemble donc. C'est le groupe qui m'a donné envie de devenir artiste et musicien. Et puis les gens qui m'ont inspiré, c'est des artistes comme Lokwa Kanza. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, que j'écoute énormément. So Fally, you are in a group, Quartier Latin International. Quartier Latin. I was in the group. Yeah, Quartier Latin. Yes. How is it being solo? You've been solo for a couple of years in terms of marketing and artist development. C'est beaucoup plus de travail quand tu es solo. Beaucoup plus d'énergie tu dois donner parce que tu dois défendre tes chansons, tes trucs sur scène. Mais ça reste quand même. Tu as la liberté de tout faire, quoi. Tu as la liberté de décider de tes propres sons. Tu as la liberté de. Voilà, c'est toujours mieux d'être. C'est toujours bien de passer par un groupe avant et puis après tu deviens solo. Tu as plus d'expérience. C'est bien. On social media, YouTube is one of your biggest platforms. You have more than 700 million views. So how do you manage all your platforms? Because you have fans from everywhere. How do you manage your social media? C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai grandi avec la majeure des fans. C'est-à-dire la majorité des fans me connaissent depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai grandi avec eux et ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu commencer. Donc aujourd'hui, j'ai plus j'ai la famille qui est des fans, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont vraiment là pour moi. Et voilà, je manage mes réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai un manager, j'ai une équipe, mais je reste actif quand même sur Instagram, sur Twitter, tout ça. Donc voilà, on essaye de le faire propre, comme des professionnels, quoi. Mais en étant pas trop non plus. Genre, je vais pas dormir pour rester sur les réseaux sociaux. Non, non, non. I just wanted to say thank you so much, Fally. It was a pleasure interview you. Thank you, Tom. Thank you so much, Mara. Your fans here want to know when you're coming to Nairobi. And behalf of the fans, we want to say you're beautiful and we love your music. I'm gonna come to Nairobi soon to eat bugari and nyama choma. Yes, come and take you. Yeah, but Nairobi is stay local. Nairobi locked down, right? No, we have curfew from 10. I'm going to Benin. I don't know what to say Benin in English. Benin. Benin. And after that, yes, I'm going to Cameroon. Okay. And
We're gonna figure out. We're gonna see. We're gonna see if everything is good. We're gonna come. I miss Nairobi. You know, I love Nairobi. I love Kenyans. I love Kenyan. I love Kenyans. Girls. Yes. And, so I'm gonna come. I'm gonna come soon. All right. Bye. Thank you so much. Thank See you, Magali. Mwah, thank bye. You. Bye.